Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nintendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bravely Default 2. Dans le précédent épisode, nous avons récupéré l'avant-dernier Astéris, celui que nous devions récupérer sur... Donc c'est le flambeur, celui que nous devions récupérer sur Shirley. Il n'y a pas de nouveauté ici, on se barre. Et pourtant c'était marqué nouveau, mais bon. Et le prochain se trouve dans un village près de Rimdal, que nous n'avons pas encore découvert. Donc nous allons aller à Rimdal et essayer de découvrir ce village-là pour trouver la quête et probablement défoncer la gueule du mec, en tout cas faire la quête, pour récupérer son astérisque. Et ensuite, une fois cela, nous pourrons tout simplement finir le jeu, enfin en tout cas finir ce chapitre pour passer au suivant qui sera le dernier. Alors il faut trouver un village. Alors pour aller à un village, a priori, il nous faut suivre un chemin. Est-ce qu'il y a-t-il un chemin? Non, c'est nous qui nous venons de le tracer. Ta 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 la ta 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 la la. Alors lui, il va nous fuir, hein, voilà. Je pense que là, on est bien trop fort pour tout le monde. Vu comment on a éclaté Shirley dans l'épisode précédent, c'était assez comique à voir. What the fuck is this? On est où là? Ah, il y a une fucking muraille, quoi. What the hell? Ah, on est direct là-bas. Ah ouais, d'accord. En fait, c'est Holograd, mais on ne peut pas y aller par là. Ok. Allez, c'est ça, dégage l'ours. Dégage le nounours. Dégage le gros craboussé, là. Il va nous falloir trouver un village. Ah, je peux peut-être afficher la carte, ça nous aidera peut-être. Là, il y a des trucs. Il y a un village peut-être par là. Ta-da-da. Parce que là, il y a le village machin. Mais il y en a peut-être un autre derrière. Là, on peut peut-être passer là. Ah ah. Il y a un truc là. On va vers où là? Vers où qu'on va? On explore un petit peu, ça nous permet d'explorer. Parce qu'on est passé à côté de pas mal de trucs hein, sur le jeu. On a un peu rush l'histoire, mais... Ok, ça, on s'en fout. On a un peu rush l'histoire, mais je suis pas particulièrement friand des quêtes annexes à la base. Il n'y a que certains jeux où ça m'attire de les faire. Breath of the Wild, par exemple. Je sais pas, il y a un truc qui, en plus. Mais comme j'ai un peu de mal à rentrer dans l'univers... Enfin, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'univers de Bravely Default 2. Là, j'y suis rentré, mais ça me donne pas spécialement envie d'explorer, vous voyez. J'ai envie de découvrir l'histoire, mais j'ai pas la... Je n'ai point la volonté... Il n'y a pas un pont, là. Ah, si, là. Je n'avais point la volonté si grande de, voilà, de courir, vous voyez. Je vois pas l'intérêt de me balader comme ça dans le... dans l'endroit. Par contre, c'est quoi ce... C'est quoi cet endroit-là? Ah, on retrouve monsieur. On retrouve notre monsieur. Ah, lui, on le connaît, lui. On peut lui parler. C'est pas très intéressant. On connaît Cochonou. Grown, ça fait plaisir de te voir, mon vieux. Alors, tu as retrouvé l'ami que tu cherchais? Non, Grown est emballé de cette idée. Abandonné, comment ça? Tu t'étais lancé dans une noble quête pour rendre son précieux anneau à l'homme qui t'avait sauvé la vie, non? Ah oui, l'anneau, c'est vrai. Vous pouvez le prendre. Quoi? Tu es sérieux, Grown? Tu renonces à retrouver ton ami après tout ce que tu as enduré pour ça? Grown veut toujours retrouver son ami. Grown veut lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Eh bien alors qu'est-ce qui t'en empêche? Grown n'a pas le droit. Grown a enfin trouvé la trace de son ami. Il est arrivé jusqu'au village très froid et on lui a dit que le cuisinier habite. Mais les gens là-bas ont eu peur de Grown. Ils ont chassé Grown. Alors Grown a dû abandonner. Et vraiment, c'est terriblement dommage. Grown a essayé très très fort. Mais les humains ne l'aiment pas. Les humains ont peur de lui. Dès que Grown apparaît, il s'enfuit en criant en hurlant. Grown n'aime pas ça, il n'aime pas voir les gens avoir peur. Alors Grown ne se rapprochera plus du village des humains. S'il vous plaît, prenez l'anneau de Grown. On peut t'aider. Par contre, il a tellement la classe avec cet habit Seth. Alors, on ne sait pas pourquoi Elvis il a une capuche, lui, mais ils ont vraiment la classe. Ça me fend le cœur de voir comme ça. Et si on allait trouver son ami cuisinier, Gold, si c'est ça. S'ils sont aussi proches que dit Grown, il faut qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Hoche la tête. Papa. Bon, a priori, c'est le petit village, là. J'ai trouvé. Pin.
Et hop. Vue panoramique. Nous avons un petit village. Est-ce qu'on l'a du coup maintenant sur la carte? Non. Pas plus. Ah si, bah si. Si si, il y est. Et Lerno, très bien. Par où donc se trouve ce vieux monsieur? Attendez, il y a un coffre là, non? Ah, c'est pas par là. Je me suis barré. Je me suis cassé. Ah, il y a un donjon et tout là. Ok. Est-ce qu'il me fuit? Ouais. Bon, ben, on va pas explorer, hein. Ah, il y a carrément la tempête et tout, quoi. Lol. On va descendre, on va parler aux gens. Hein. Ah, voilà qui est vraiment affreux. Des bijoux volés. Vas-y si tu veux. Vas-y si tu veux. On va parler aux quêtes. Hein. Puis Tammy, ça ne fait aucun doute, mais je déteste vraiment le froid. 57, ok. De toute façon, on va les faire, mais on va pas les regarder. Une flûte et zut. Tunique de mage. Ok, là, c'est des quêtes. C'est les quêtes de difficulté élevée. Ah, le cuistot. Il est là, le cuistot. Excusez-moi, vous êtes Gaultier? C'est bien moi, l'ami. Puis-je vous demander ce que vous me voulez? Vous reconnaissez cet anneau? Bien sûr que je le reconnais. C'est celui-là même que j'ai perdu. Super, alors vous êtes le cuisinier itinérant dont Growl nous a parlé. Growl, vous connaissez mon vieil ami? Ça alors, voilà qui est fantastique. Et comment se porte le brave bougre? Ça pourrait aller mieux, à vrai dire. Ah, donc il se trouve dans les environs de la ville. Ouais, puis il n'est pas prêt de s'en approcher de si tôt, apparemment. Si ce que vous dites est vrai, vous voyez juste, les gens d'Alerno ne sont guère enclins à laisser un monstre entrer librement dans la ville. Pas plus que les habitants d'autres villes d'ailleurs. Donc, quand il m'a demandé de m'accompagner, il m'a fallu lui dire, à grand regret, qu'il ne pouvait pas venir. Si je ne l'avais pas fait, cela n'aurait apporté que des misères à ce pauvre groupe. C'est bien triste, mais les humains ne sont pas encore prêts pour cela. Il est difficile d'amener les gens à surmonter leurs préjugés. C'est un monstre adorable, mais le simple fait qu'il en soit un serait déjà trop pour beaucoup de monde. C'est d'autant plus dommage. Mais je m'égare. C'est extrêmement gentil de votre part d'être venu jusqu'ici pour rencontrer les ennuis de mon malheureux ami. Je ferais bien d'essayer de le trouver. Vous comptez aller lui parler? Bien sûr que oui, allons-y, si vous le voulez bien. Si vous le voulez bien. Parlez à Groan. À Groan Groan. Allons-y. On va y aller. Paf, paf, paf. Paf, paf, paf. Il est où, Groan? Pas là. Pas là-bas non plus. Ah, si, là. Hop. Paf, 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 paf. Paf, 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 paf. Pas là, là, paf, paf, paf. Hé, 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 Groan, mon vieux copain. Gaultier, Gaultier, Gaultier. Est-ce que Gaultier est venu voir Groan? Je te le répète pour la millième fois si besoin, nous sommes amis. Et quand un homme apprend qu'un ami se trouve dans les parages, n'est-ce pas un honneur pour lui d'aller à sa rencontre? Gaultier, oh Gaultier. Alors, il paraît que tu es venu pour me rendre mon anneau. Oui, l'anneau doré et brillant de Gaultier avait perdu. Et Groan voulait aussi remercier, il voulait le revoir et le remercier pour tout ce qu'il avait fait. Oh, ça y est, ça me revient. Je me souviens comment je l'ai perdu. Je l'avais ôté de mon doigt pour te montrer une ou deux astuces en cuisine, c'est ça? Quelle belle preuve de générosité de ta part d'avoir fait tout ce chemin pour me retrouver. Ça me touche. Non, Gaultier. Ah bah merde. Vous allez bien? Ah oui, tout va bien, mais ce pauvre Groan. Que... Non, Groan, hey Groan, est-ce que tout va bien là-dessous? Je l'entends. Groan va bien, Groan est vivant, mais... Mais Groan ne peut pas bouger. Les rochers depuis là-dessous. Ne t'inquiète pas, on va te tirer de là. Ah oui, mais comment? Même à nous tous, on n'arrivera jamais à déplacer un rocher de cette taille. Vous avez vu ce que Groan vous a appris? Utilisez la technique. Mais sur le rocher, Groan vous fait confiance. Maîtrisez le rocher. Paf. Appuyez sur Y. Oh, on peut péter les rochers maintenant.
Pin, 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 pin. Merci, merci. Grom était coincé dans une fente entre deux rochers. Sans ça, il aurait été... Alors, n'y pensons pas. Nous allons te faire soigner, d'accord? Tu peux marcher, mon ami? Je te ramène Dernot pour qu'il puisse te reposer. Mais Gaultier, les humains qui vivent, ils... Ne t'en fais pas pour eux. Tu es avec moi désormais, et maintenant que j'ai mon mot à dire, pas question qu'ils te chassent cette fois. Au pire, on aura à te dire côté le souper. Tu es un de mes amis, Grown, et plus que cela, tu es la seule personne au monde à comprendre véritablement la subtilité de mes créations culinaires. Alors, si tu me laissais t'enseigner comment préparer quelques petits plats, à commencer par ton préféré, le schnitzel. Vraiment, Gaultier va vraiment apprendre à Grown comment cuisiner. Merci, 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 merci. Sans l'aide des amis humains, Grown n'aurait jamais retrouvé Gaultier. Maintenant, Grown y croit à nouveau. Il croit à nouveau que tous les humains ne le détestent pas. La gratitude de Grown est énorme, gigantesque. On n'a vraiment pas fait grand-chose, Grown. C'est surtout à toi qu'il a fallu un sacré courage pour partir à la recherche de Gaultier au départ. Eh bien, Gaultier, Grown est désormais entre vos mains. Absolument, et encore un merci. Et surtout, soyez prudents lors de vos voyages, d'accord? Paf, 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 paf. Je crois que tout va bien se passer pour Grown, présent, non? Oui, Gaultier est là pour l'épauler, alors tout ira bien. Eh oui, tout se passera bien. Comment les habitants d'Edernau pourraient-ils refuser d'accueillir un tel duo? J'aime tellement bien, tout est bien qui finit bien. On aime toujours ça. Quête terminée. Alors, d'expérience, grand. Et peut-être il y a même une discussion. Écoutez. Que demande le peuple? Pa 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 pa. Grown et Gaultier. Je suis content que Grown ait réussi à retrouver son ami. Moi aussi, Gaultier est un type sympa. Hein. Oui, vraiment, il y a quelque chose chez lui qui me fait me sentir, comment dire, heureux. Peut-être qu'il y avait davantage d'être humain comme Gaultier, Grown n'aurait pas eu tant de difficultés. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Eh bien, les gens auront toujours peur de ce qu'ils connaissent pas. Enfin, se connaissent mal, non? C'est assez naturel. Avec un véritable ami à ses côtés, on peut tout surmonter, n'est-ce pas? Oui, il faut juste un peu de temps pour s'habituer et de l'ouverture d'esprit. Et si Grown devient aussi bon cuisinier que Gaultier, tout le monde y gagnera. Ouais, rien de tel que de s'asseoir ensemble autour d'un bon repas pour oublier ses préjugés. Et puis, ce qu'on parle de ça, je meurs de faim. Moi aussi, qu'est-ce que vous en dites les amis? On fait une pause repas? Oui, nous pourrons en profiter pour porter un toast au succès futur de l'entreprise de Gaultier et de Grown. Pa 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 pa. Hop, hop, hop. Y a-t-il du coup... ça, c'est l'auberge. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Oui, c'est vraiment terrible ce qui arrive, monsieur le maire. Comment va notre Glyn? Nous prions pour les pauvres... nous prions pour lui, pauvre garçon. C'est très gentil de votre part de vous inquiéter pour mon petit frère. Je m'en vais chercher une trèfle de lune. Il suffira d'un brin ou deux pour le ramener de ce petit voyage au pays des rêves. Dans ce cas, j'espère que ça ne vous dérange pas si on vient vous aider. Après tout, vous avez toujours été là pour nous. Merci beaucoup, mais l'endroit où cette plante pousse est infesté de monstres. Je ne peux pas vous demander de m'accompagner, c'est trop dangereux. Oh, pas de ça entre nous. Pas de question que nous vous... Tout se passe bien? Tiens, des visiteurs, bienvenue au village d'Anderno. Merci, mais est-ce que tout va bien? Tout va bien? Ah, le petit frère du maire dort depuis une semaine. Si vous ne trouvez pas ça inquiétant, alors on peut dire que tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il est malade? Sa femme est morte il n'y a pas très longtemps. Depuis, il est inconsolable. Il aurait tout donné pour la revoir une dernière fois, même en rêve. Alors, je lui ai prescrit de la somnirine. Je crois qu'on en a entendu parler. C'est un médicament qui permet de rêver de ce qu'on veut, c'est ça? Exactement. Mais Glyn a tout avalé d'une seule lampée, et là, ça fait 7 jours qu'il dort. Je commence vraiment à m'inquiéter. Mais si vous trouvez ce trèfle de lune, vous pourriez faire quelque chose? Je pense, oui. Il m'en faut pour fabriquer plus de somnirine. Si je m'en administrise une dose et que je m'allonge à côté de lui, je pourrais le rejoindre au pays de ses rêves. Avec un peu de chance, je verrai ce qui se passe. Hein? Vous dites que vous pourriez le rejoindre dans ses rêves? Je ne savais pas que c'était possible. Ça dépend pour qui. C'est un astérisque. Comme ça, vous connaissez ces petits bijoux? Ouais, on en a quelques-uns. C'est le dernier qui nous manque. Bon, je vais être franc, je n'aime pas m'en servir à tout va, mais au grand mot les grands remèdes, je ne pense pas pouvoir me procurer du trèfle de lune sans l'astérisque. Dans ce cas, pourquoi on n'irait pas chercher ce trèfle de lune pour vous? Certainement pas. La forêt est pleine de monstres, je ne peux pas me permettre de vous demander ça, en plus je vous connais à peine. Oh, ne vous inquiétez pas pour nous, des monstres, on s'en fait au petit déjeuner. Bon, alors, si vous êtes si sûr de vous, merci beaucoup, je vais rentrer chez moi pour préparer tout le reste. Vous avez le cœur sur la main, vous autres. Difficulté moyenne quand même, hein. Il faut faire quoi du coup? Un carnet de voyage. Parler à Esmeralda, non. En cours. Déjeuner qui tarde. C'est dans les rêves. C'est ça. Mais il y a un peu de souvenirs. Ok, hop.
dans les rêves. C'est là-haut. Paf. Ah bah oui. Ils me fuient quand même, hein, tous. Ne l'oublions pas. C'est vrai qu'on peut sauvegarder. C'est pas aberrant, tout ce qu'on vient de faire. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur et de crever. Je sais pas comment, mais on n'est pas à l'abri. Alors on va foncer dans le tas. Parce qu'a priori, les monstres vont pas nous emmerder. Ok, je peux pas passer là, ça commence bien. Obtenez de l'air magique. Ah, je peux péter les armes maintenant, yes. Devenez plume phénix. Ah ouais, non mais... C'est quoi cette tempête là? On sait plus où on est. Bah, je casse tous les arbres. Hein. Je peux casser les rochers aussi? Non. Bigre. Ok, il se passe rien si je ne bouge pas, mais je peux plus sprinter. Ça, c'est un coup à se prendre les monstres. Mais normalement, c'est l'enfer de passer là, je pense. Mais là, il nous fuit tous. Examinez. Et hop, vous obtenez trèfle de lune. Bon, on va prendre le coffre au passage. Hein. Ether x5. Parlez à Glenn. Hop. Ah, c'est difficile comme quête. Tada. Ah, la tempête. Bon, normalement, à mon avis, elle est un peu relou, mais... En vrai, là, non. Hop. Salut. Glenn, on vous a apporté le trèfle de lune, c'est bien ça qu'il vous fallait. Tout à fait. Merci, vous me tirez d'un mauvais pas, Glitch, j'arrive. Tiens bien encore un peu. Ça va? Oui, c'est juste qu'il dort depuis tout ce temps, et si ce n'est pas un rêve qu'il faisait, mais un horrible cauchemar qui n'en finit plus. Enfin, ce n'est pas le moment de s'inquiéter avec ça, je dois commencer à préparer ma potion. Et voilà, une dose de sominirine toute fraîche. Écoutez, si j'osais, je demanderais bien un dernier petit service. Bien sûr, que pouvons-nous faire pour vous? Pourriez-vous nous surveiller, Glenn et moi, pendant qu'on dort? Vous avez peur de ne pas pouvoir revenir non plus? Oui, il y a de ça, mais surtout, je n'aime pas savoir que personne ne sera là pour le surveiller vu son état. Ne le prenez pas mal, mais que faites-vous des autres villageois? Si vous non plus, vous ne revenez pas, ils n'auront pas de mère pour veiller sur eux. Ah oui, mais ils s'en tireront bien. Ils n'ont pas besoin d'un idiot dans mon genre. Et quelque chose me dit qu'ils ne seraient pas d'accord avec vous. Bon, pourquoi on n'irait pas à votre place? Vous seul savez faire ce médicament, non? Si vous ne revenez pas, personne ne pourra aller vous chercher. Eh bien, je ne peux quand même pas, si. Ne vous inquiétez pas, je vous assure. Quoi qu'il arrive, on saura se débrouiller. On ramènera votre frère, c'est promis. Parce qu'on est des dieux vivants. J'ai peut-être dû sauvegarder. Il y a une sauvegarde automatique. Alors, prêt pour votre petit voyage au pays des rêves. Attention, une fois au pays des rêves, vous ne pourrez pas en sortir avant quelques temps. Pas encore, on ne va pas tarder. Ah. Alors, quelques temps, la dernière fois qu'ils m'ont dit ça, ça a duré une heure. Alors du coup, j'ai un peu des doutes. C'est pas grave, on va sauvegarder, mais on va le faire. Et puis tant pis, je ferai un épisode en plus. Je pense que j'aurai le temps, ça dure une heure, ouais, j'aurai le temps. Ok. Ok, on va y aller. Ah! Et bien, la batterie de la manette qui vient de me dire non. Faut juste que je prenne le chargeur. Hein. Hop. Ça devrait aller. Je suis un peu moins à l'aise et confortable, mais faut juste que je me réinstalle un petit peu différemment. Et hop. Nous voilà donc dans le rêve de Glynn. On est dans le village, très bien. Oh, Aen, ma chère douce et belle Aen. Aen, ça doit être le prénom de sa femme. Est-ce que ça va? C'est ma femme, ma douce Aen. On l'a enlevée. Hein, enlevée par qui? Je ne suis pas vraiment sûr. Elle a été capturée et emmenée vers les montagnes. Je ne peux pas l'abandonner, il faut que j'y aille. Hé, hey, attendez. Ça doit être pour ça qu'il ne pouvait pas se réveiller. Sûrement, oui. À l'instant, les rêves ne sont pas censés être une manifestation de nos peurs et nos sentiments les plus enfouis. Quel rapport avec l'enlèvement de sa femme, Olus? J'imagine qu'il n'y a qu'une façon de le savoir. Let's go! Suivez le chemin de Glynn à travers les montagnes. Eh ben, on y retourne.
avec les tempêtes et autres problèmes. On va... Ah, on peut sauvegarder. C'est étrange. Bon, il y a deux fois la fontaine du savoir, on peut le re-sauvegarder là, tiens. Pas besoin d'avoir autant de fichiers de sauvegarde. Hein. Hop. A priori, les monstres nous fuient aussi. Je me suis déjà fait avoir la dernière fois. Donc ce n'est pas par là. Ah, il y a aussi des tempêtes ici. On aurait pu s'en passer. Il n'y a pas de tempête de neige dans les rêves, enfin. Ah non, il y avait un monstre. Il était camouflé. Art de l'épée, bravoure. Coup de vétéran. Inflige à une cible deux attaques physiques, chacune d'elles provoquant des dégâts qui dépendent du temps de jeu en minute. Ça coûte 3 PB. Ok, ça sert à rien. Par contre, giga pesanteur. À mon avis, ça, une fois, ça suffit. Mais... Bam. Voilà. 6000 dégâts à tout le monde. On est content. Par contre, ça donne des petits PC. Ça, c'est cool. Des orbes petits PC. Intéressant. Hop, on passe au travers les monstres. Ah, j'ai l'impression que c'est pas par là. Si, il faut que je passe en haut. Mais est-ce que je peux monter par là? Ok, je peux monter là. Très bien. Deuxième point de sauvegarde. Ah ouais, j'ai mis plus de temps à le sauvegarder que... qu'à faire le chemin, mais... dans le doute... on évite les risques inutiles. Hop. Je peux pas passer là. C'est scandaleux. Est-ce que c'est le bon chemin déjà? Je ne sais pas. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Hein. Mais d'un autre côté, ça a l'air un peu. Ça a aussi l'air d'être le cas. Parce que je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres. Par contre, il m'intrigue ce cheval. Je vais aller le tuer. Juste parce que je... j'ai envie de voir à quoi il ressemble. Ok, ils sont pas très très jolis. Hop, allez-y. Paf! Ça dégage. Pain. Et pas besoin de pas besoin d'en mettre 4, mais... That was a piece of cake, en effet. Ok, là on peut sauvegarder. Parce que là, il est probable qu'il y ait un combat. Un petit peu plus énervé, lol. Ça m'étonne rien. Glyn! Glyn, au secours! Ayn! Est à moi maintenant, rien qu'à moi! Glenn? Attendez, c'est lui le ravisseur? Il n'a pas vraiment le physique de l'emploi. N'oublie pas que c'est un rêve, ce n'est pas le vrai Glenn. C'est Glyn qui le voit comme ça. Il pense que c'est le genre de type qui enlèverait sa femme. Mince alors. Elle est à moi, vaurien. Et ce n'est pas un avorton dans ton jar qui me l'apprendra. C'est donc vrai, Glenn. Tu voulais qu'Aen devienne ta femme? Non. Rappelez-vous, Glenn, vous vouliez aider votre frère. Vous êtes aussi venu pour me l'enlever, c'est ça? Est à moi maintenant comme elle aurait dû l'être depuis toujours. Eh oui, monsieur le héros, le grand méchant ogre détient ta précieuse princesse et tu ne peux rien y faire. C'est quoi cette histoire de héros et le grand méchant ogre? J'en ai pas la moindre idée. C'est un rêve, bande de nigos, ce n'est pas censé vouloir dire quelque chose. Et tu trouves ça drôle? Est à moi, vaurien, la princesse est à rien et rien qu'à moi. Mais tu vas te faire éclater en 2 minutes. Donc arrête 3 secondes... ta blague et tu vas faire comme Shirley. Couche couche panier. Elle aurait dû être ma femme depuis le départ. Et je comprends pas ce qu'elle a pu trouver à une lavette dans ton genre, Glyn. Ta-ta-la-la. Et voilà, vous voulez me reprendre ma jolie haine, c'est ça? Dans ce cas, préférez-vous avoir mal ou je pense? Il fait combien de dégâts? Il me rend des PT, très bien. Objet loop. Il y a combien de PV? Ah, 30 000 PV quand même! Adieu!
Ah, 1500 dégâts quand même. Au revoir. LOL. Giga pesanteur, ok. LOL LOL LOL. Et ainsi le grand méchant ogre est vaincu. Glenn. Oh, ça ne me regarde pas avec cet air idiot. La princesse t'a choisi, pas vrai? Et tu l'as douté d'elle, espèce de fichu crétin. Mais... il a raison, Glenn. C'est toi le héros de cette histoire. Je t'aime, je t'ai toujours aimé. Et je t'aimerai toujours. C'est avec toi que je voulais être, et avec personne d'autre. Mais... il n'y a pas de mais. Maintenant, tu dois prendre ton courage à deux mains et affronter le grand méchant ogre. Le grand méchant ogre? Tu parles de Glenn? Approche, monsieur le héros, je t'attends. Ouais, Glenn? Glenn, c'est peut-être le bon moment pour se réveiller, non? Vous avez raison, je ne peux pas continuer à fuir. Et hop, c'est gagné. Vous êtes tous réveillés. Ah, ça va, Glenn? Alors, tu as vu Anne au pays des rêves? Oui, mais merci, c'était très important. Mais elle a dit que je devais te faire face une dernière fois. Hein? Il y a quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Je sais que tu l'aimais bien et que tu as renoncé à elle pour moi. Et je sais que, enfin, qu'elle t'aimait bien aussi. Qu'elle te préférait peut-être même. Franchement, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu as beau être mon frère, tu es un crétin fini. Attends, voilà. Tu veux bien lire ça, s'il te plaît? C'est Dane. Pardonne-moi, Glenn. Je ne sais pas comment te dire cela, mais je n'éprouve pas les mêmes sentiments à ton égard. C'est ton frère que j'aime. J'espère que tu me pardonneras. Je lui ai envoyé une déclaration il y a très longtemps, et c'est ce que j'ai reçu en retour. Un bon vieux vent. Bien sûr, il a fallu que je vive avec, sans compter que ça m'a fait sacrément mal sur le coup. Mais renonce à elle pour toi, c'est là que tu te trompes. Je n'ai pas eu à laisser la place. J'étais hors course dès le départ. Glenn. Glenn, Glenn, les parents, ils ont fait fort quand même. Hein. Tu aimais Aen et tu peux me croire quand je te dis qu'elle t'aimait. N'en doute pas, s'il te plaît, et laisse-la reposer en paix. Après, vu la touche, j'ai l'impression que son jumeau. Et tu te souviens quand on était enfant? Ça n'empêche pas, donnez pas des noms similaires à vos gosses, quoi. J'étais toujours le grand méchant ogre, Aen la princesse et toi le gentil héros. Comme ça, cette histoire de héros et de princesse dans vos rêves, ça venait des jeux auxquels vous jouiez enfant. Un peu, oui. Aen adorait le voir jouer le héros, et bien sûr, j'étais toujours le grand méchant ogre. Ouais, je n'y avais jamais réfléchi. Ah, ces souvenirs doux amers, elles sont parfois bien cruels. Vous ne croyez pas qu'on devrait les laisser un peu tranquilles? Oui, c'est une bonne idée. Attendez, nous vous devons une fière chandelle, mon frère et moi, et nous ne pourrons jamais assez vous remercier. Tenez, c'est le moins que nous puissions faire. Et en plus, vous avez les mêmes habits. Il y a juste la frange qui change. À mon avis, ils ont fait un miroir du modèle. Hein. Attendez, vous êtes sûr? Oui, tout à fait. Il sera bien plus utile à moi, croyez-moi. Bien plus utile qu'à moi, croyez-moi. Passez-nous vous voir si vous êtes dans les parages, d'accord? Nous n'y serons pas, merci pour tout. Et bien voilà. Et bien voilà. Et hop, un astérisque de plus. Ta-ta-ta! Maître des potions. Les maîtres des potions savent tirer tout le potentiel des objets à leur disposition et même en associer pour en créer de nouveaux. Combinaison associe deux objets pour produire différents effets intéressants, scrute tous les ennemis à la loupe, dévoilant leur PV, leur vulnérabilité et leur famille. Ah, pas mal, scan global. En vrai, pas mal, scan global. Mais bon, pas franchement besoin une fois qu'on a fait la loupe, quoi. Bon, il est temps de... Oh, qu'est-ce qu'il y a, Gloria? Oh, rien, c'est juste que... Eh bien, Lane, dans le rêve de Glenn, c'était le fruit de son imagination, n'est-ce pas? Ouais, pas un simple souvenir, rien de plus. Alors pourquoi a-t-elle dit à Glenn d'affronter Glenn une dernière fois? Je ne suis pas persuadé que c'est ce que Glenn avait l'intention de faire, et vous. Mais peut-être aura-t-il fallu cette femme dans son rêve pour le convaincre. Oui, maintenant que tu en parles, c'est vrai que c'est assez étrange. Et si c'était la vraie haine, en fait? Oh, allons, c'est juste le moyen qu'a trouvé Glenn de se donner le courage de faire face à son frère. Oh, qu'est-ce que tu étais à terre? On ne peut pas rêver pour une fois.
Je crois que tu as envie de croire. Tu crois ce que tu as envie de croire. Ce n'est pas moi qui vais t'en empêcher. Tout à fait. Restons-en là si vous le voulez bien. Paf, 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 paf. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Merci. Elle l'a entendu, quoi. Lol. Ta 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 ta. Quête terminée. Ah. Bon sang. Eh ben voilà. Enfin. Qu'est-ce qu'il se passe, Elvis ? C'est incroyable. J'arrive à le lire. Je peux enfin le lire en entier. Vous savez bien que ça valait la peine de chercher tous ces astérisques. Sans rire, alors qu'est-ce qu'il raconte ? Une petite seconde, voyons voir. On va voir une petite cinématique. Je souhaitais que mon pouvoir dure pour l'éternité. C'est pour cela que j'ai cherché à rassembler les astérisques, qui renferment toute potentialité. Dans celui des bibliothécaires, j'ai rassemblé les souvenirs qui me constituent. Et cet astérisque, je l'ai transformé en livre. Tant que le livre existe, tant que ses souvenirs perdurent, je ne peux périr. Mon potentiel ne connaîtra aucune limite. Et nul ne pourra comprendre mon essence. L'immortalité m'appartient, je suis la mémoire éternelle. Je vois tout, je connais tout, j'inscris toutes choses dans le noir infini. Et ce faisant, tous les souvenirs ne forment plus qu'un. D'où mon nom, l'abîme de la nuit. Non, sans rire. Alors depuis le début, le livre était un astérisque. Ça explique pourquoi le fait de récupérer les autres petites merveilles nous aidait à le déchiffrer. Et il a été créé par l'abîme de la nuit, ou plutôt il est l'abîme de la nuit, ou son souvenir du moins. Alors on doit tuer le livre si on veut battre l'abîme. Facile, brûlons-le, on a un truc comme ça. Je crois que ça ne marchera pas. Il se peut que je l'ai fait tomber par inadvertance dans le feu un jour où j'avais désespérément besoin de me réchauffer. Comme vous le voyez, ce n'est pas ici la moindre trace de brûlure. Je ne crois pas que nous débarrasserons aussi facilement. Mais tant que ce livre existe, nous n'aurons jamais aucun espoir de vaincre l'abîme, quel que soit le nombre de fois où nous l'affronterons. Exact. Pour le détruire, on doit détruire sa mémoire. Il faut qu'on trouve comment. Ah. Discussion. En rêve. S'inviter comme ça dans le rêve des autres, c'est assez bizarre, non ? Oui, je dois avouer que je suis très partagé sur toute cette histoire. Pourquoi ça, Gloria ? Si quelqu'un essayait de s'introduire de force dans mes rêves, comme nous l'avons nous-mêmes fait dans le rêve de Glynn, je ne suis pas sûr que j'apprécierais cela. Cela pourrait être très gênant. Ne m'en parle pas. Les rêves révèlent plein de choses sur nos pensées et nos inquiétudes les plus profondes, n'est-ce pas ? Et en ce qui me concerne, ils sont parfois franchement bizarres, croyez-moi. Ça a l'air intéressant, Elvis, continue. Bon, en voici un que j'ai fait récemment. J'étais en train de me balader, tout guilloré, quand je tombe sur une drôle de chope. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial ? Elle n'avait pas de fond. Une véritable aubaine. Je buvais gorgée après gorgée et elle ne se vidait jamais, naturellement j'étais ravi. Mais ensuite ça a commencé à déraper. Continue. Cette maudite shop avait une volonté propre, j'avais déjà bu tout mon soul que je n'arrivais pas à la reposer. Je continuais à vider son contenu dans mon gosier sans pouvoir m'arrêter. J'ai fini par me réveiller, j'en avais des sueurs froides, ça va de soi. Alors là je me demande vraiment ce que ça peut signifier. Je n'ai pas la moindre idée. Que t'es un alcoolo de première. Après c'était aussi pour lui sauver la vie. Hein. Bon, du coup... Normalement, voilà. Nous l'avons. Alors. Je vais sauvegarder là. Mais il faut sauvegarder là également. D'ailleurs, c'est complètement buggé. Mais je vais sauvegarder ici. Nous allons faire ça. Dans un prochain épisode. Je vous laisse là comme ça. Ciao, ciao tout le monde.